Et bonjour les gens, c'est HH32 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser la bande-annonce de Venom. Bon déjà on peut voir que l'histoire va se passer à San Francisco, ce qui voudrait dire que le film va sans doute s'inspirer du comics Venom Lethal Protector, qui raconte l'évolution de Venom de méchant à anti-héros, et pour cela il conclut un accord avec Spider-Man pour que celui-ci le laisse tranquille, et Eddie Brock décide de déménager à San Francisco. Ensuite, le trailer nous dévoile Anne Veng, qui dans les comics est l'ex-femme de Eddie, et puis au moment où on la voit, on peut entendre la voix off de Brock qui parle d'une certaine séparation. D'ailleurs, on peut facilement penser qu'elle se trouve dans un couloir d'hôpital. Par la suite, on assiste à cette scène où Brock parle d'un accident. Vu ce que ses plans nous montrent, il y a fort à parier que c'est ce qu'a provoqué le symbiote lorsqu'il s'est écrasé sur Terre, et ça expliquerait du coup que certaines personnes portent des habits anti-radiation. Un peu plus tard, le trailer nous dévoile le symbiote ainsi que le rôle que jouera Riz Ahmed dans le film. A mon avis, il jouera le rôle de Cletus Kasady, qui, contrairement dans les comics, serait ici un chef d'entreprise ou de laboratoire vu ses habits et les scientifiques derrière lui. Alors pour cette scène, je n'ai aucune explication de ce qui se passe à part que ça a l'air soit de pouvoir psychique, soit elle manque quelque chose qui a oublié d'être mis en post-production, même si le second choix est très peu probable. Sinon, pour ce qui est du scénario du film, je pense que vu ses plans, Eddie s'est porté volontaire comme cobaye pour une expérience scientifique. On lui a injecté le symbiote pour voir ce que ça ferait, et à la vue de cette scène, à mon avis, il s'est transformé en Venom et s'est échappé du laboratoire, et ça justifierait du coup l'alerte lancée. Après, concernant Carnage, je pense que suite à l'accident en labo provoqué par Eddie, Cletus va s'injecter le symbiote pour pouvoir capturer Venom. Ça ressemblerait un peu à l'incroyable Hulk où l'on injecte du rayon gamma à Emile Blonsky pour qu'il devienne l'abomination et qu'il puisse attraper Hulk. Et à mon avis, le symbiote va réussir à influencer Cletus qui va se mettre à tuer tout ce qui bouge, et c'est là que Venom va devenir un anti-héros en essayant d'arrêter Carnage. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, si tu as aimé, tu peux laisser un j'aime, un commentaire, tu peux t'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, et sur ce, ciao!